amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de YouTubeWatch 3. J'espère aussi que vous allez bien et on se retrouve chez Fluffy du coup, où on va essayer de retrouver la suite des pièces manquantes de la fusée. Il y a plein des gens qui parlent sur le Kainet, mais il n'y a rien de très utile. Ah, okay. Ça a toujours été un peu comme ça avec Internet. Je rigole, laisse-moi regarder. On est aux USA, c'est vrai. Ah, tu vois. C'est Whisper. Mais oui, c'est quand il parlait sur la tablette, tu te souviens? Où il se demandait, mais qu'est-ce que tu fais, Whisper? Oh, rien, c'est une nouvelle appli. Bah oui. Oh. Mais on est quand même là pour toi. C'est pour ça qu'on est sur Kainet. Besoin d'un service? Demande-le ici. Ok. Oh. Par contre, moi j'ai une question. Pourquoi t'as pas les autres quêtes, toi? C'est une très très bonne question. Je les aurai peut-être un peu plus tard. Hé, okay. Ousapion, c'est quoi ces trucs, les services? Ce sont des yokai qui postent leurs soucis en espérant qu'une bonne poire les aidera. Mais c'est parfait si on s'occupe de ces services, alors. Ah ouais, la bonne poire. Alors, Dynamo, Bizarria et Poilémile seront si contents qu'ils seront d'accord pour nous aider à construire la fusée. Je vois. C'est pas la meilleure idée que t'as eue, mais ça vaut le coup d'essayer. En avant, Ousapion, allons rendre service. Allez, c'est parti. Les services de Dynamo, Bizarria et Poilémile ont été ajoutés. Il faut les aider. Ah, bien, ok. Ah, donc là, on va devoir aider 3 yokai pour, j'imagine, construire la fusée. Est-ce que t'as retenu les trois noms au moins des. Oui, Bizarria, Poilémile et Dynamo. En fait, okay, c'est un peu le système de quête clé. Ouais, c'est un peu ça. On n'avait pas compris ça comme ça à l'époque, mais. Bon, du coup, moi je te propose d'aller aider Dynamo et toi, tu fais Bizarria. Ok, on fait la dernière ensemble. Ça marche. Alors, il y a ces trois prétro en vélo, on peut pas les arrêter. Ah, de mon côté, c'est des fauteurs de troubles. À mon avis, il va falloir que je batte 3 piétro. Ok, alors Bizarria est coincée au café, du coup il lui faut une glace au bec qui se trouve au premier sous-sol de la galerie du couchant. Et après elle sera au café, bien. De ton côté. J'ai un problème. Moi je vais acheter la petite glace qu'on m'a demandé, donc c'est une glace au bec qu'elle voulait, je crois. Mais attends, mais... Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, mon ping il est là, mais il n'y a rien, parce qu'en fait j'imagine que les piétro, c'est ces trucs-là. Oui, ah bah oui, bah oui, oui, exactement. Oh, donc en fait il fallait juste les trouver dans le truc. Oh la vache, je comprenais pas, je me disais mais pourquoi il y a un ping et pourquoi il y a rien? Du coup toi t'as récupéré ta glace au bec. Ouais, et du coup je la donne à Bizarria, qui est pensée. Attends, parce C'est bien une glace au bec, voilà. Oui. Ouais, c'était la glace au bec. Oh, c'est vraiment ce que je voulais. Cool. Oh voilà, on a fini le premier service. T'as fini le service de Bizarria. Bah moi je suis en train d'essayer de... Oh, il y a deux desserts en même temps là. Trouvez Dynamo, il est là. GG. Ça y est, tu as filé une bonne correction à ses pieds trop. Ouais, t'inquiète, c'est bon, ça va se faire. Mais en fait, tout se passe au niveau de la galerie. Parce que du coup, moi, la Bizarria, elle est pas loin. Bah oui. Et le truc de glace, il est pas loin. Non, ça va, il est juste à côté. J'ai Dynamo qui nous rejoint pour construire la fusée. Bizarria aussi m'a rejoint du coup, hein, pour aller la construire. Donc, à chaque fois, après, on finit le truc avec eux et ils nous rejoignent. Exactement. Ok, bon, moi par contre j'ai eu l'appli film. Ah bien, moi j'ai rien eu de plus. C'est trop bizarre, tu lui as fait quoi à ton jeu toi pour avoir plein de trucs en dessous Whisper? J'en ai aucune idée, franchement. Moi j'ai pas Cornu et Donjouan. Est-ce que tu les aurais lus par hasard? Ou alors est-ce que parce qu'on a fait le choix différent, Sushi et Tempura? Alors là je sais pas du tout, franchement ça m'étonnerait. Hein. Ah là on a des mecs à abattre, je m'occupe de cette vermine et tout, ils se seraient cachés à la maison des Célestins. Ok. Et c'est un cryptif qu'il faut trouver. Par contre la maison des Célestins c'est où? Ah, regarde la sortie, elle est juste là. Ah, il y avait un espèce de... Ma lampe yokai s'est activée. Je me demande s'il n'y avait pas un tableau blabla. Ah oui, d'accord. Attends. Ah, on n'est pas du tout au même endroit en fait là. Sérieux? Non. Ah bah non, parce qu'on n'a pas fait la même quête. Oh là là. Ah bah oui, c'est normal. C'est vraiment... C'est juste là. Il faut le voir. Hein. Franchement, il faut le voir. Nexus l'avait vu, moi j'avais pas vu. What? Attends, c'est lui qu'il faut attaquer? Je sais pas, il faut battre un cryptif. Ah bah regarde, franchement, cryptif, laisse tomber, c'est lui. Regarde. Ah ouais. Il a une gueule de criquet. Bah ouais, mais moi non. Ah bah... Bazandu, ah bah t'as trouvé cryptif. Non mais oui, bah, moi il y avait un criquet dans la zone, forcément que c'était cryptif. Ah mais j'ai pas les bons moi. Mais il va arriver, t'inquiète, c'est juste que t'as pas beaucoup de chance. Mais c'est pas... Ah, c'est les objets. Oh oui. Attendez. Ah, c'est bien ça. C'est quoi? C'est quoi c'est ce pas celui... C'est pas celui qui te montre tout ton ami ultime? Non, c'est tout seul. Ça fait quoi? Non, je sais pas ce que ça a fait. Ça a peut-être augmenté mon attaque ou ma défense, un truc comme ça, non? Par contre, ça a tué mon Ousapion. Oh la vache. Je pense qu'il va falloir faire une séance d'XP là. Ah ouais, grave. Et on est niveau 4 en même temps. Mais on gagne rien d'XP, on gagne 8. C'est quoi ça? Ah, j'ai Darabajois, ouais. Franchement, Darabajois, te plains pas, c'est pas le plus foireux. Non, non, c'est vrai. Franchement, c'est vrai.
Par contre, du coup, c'est toujours très intéressant d'avoir un septième yokai, tu vois, en plus. Ouais, t'aurais pu faire pire, et au moins, comme ça, tu complètes ton médaillon. Exactement. As-tu le clictif? Il y a une boîte en haut. Moi, j'ai une violette, mais c'est pas sûr que tu l'aies, toi, du coup. Ah bah si, tu l'as. Si, en fait, c'est pas les emplacements qui sont aléatoires, c'est les objets dedans, je crois. Dans les violettes. C'est pas les boîtes journalières, un truc du genre, je sais plus, il y a un délire. Les jaunes, elles sont au même endroit et elles donnent partout pareil. Et je crois qu'une fois que tu les as ouvertes, tu peux plus rien avoir dedans. C'est ça. Par contre, les violettes, elles se réinitialisent chaque jour, je crois. Je sais plus du tout. Il y a un truc du genre, mais. Ah, t'as vu, on a pas le même texte. Ce n'est pas le bon moment. Ah ouais, j'avoue. Ce n'est pas le moment pour les mille et dans les parages. C'est dit, Crictif a subi. Ah, mais c'est parce que j'ai parlé à l'évier. Ok, je me disais aussi. C'est fait, plus besoin de te couper les cheveux en quatre. Merci tout le monde. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah je sais pas, mais dans tout cas, c'était pas la bonne truc à faire. C'était pas le bon truc, ouais, j'avoue. Mais même les quêtes, elles donnent pas beaucoup d'XP, je trouve. Enfin, ça donne plus d'XP que les combats. Ouais, mais ça équivaut à 3 combats, quoi, là, une quête. C'est hallucinant, hein. Franchement, c'est dur d'XP, je me souviens pas d'avoir galéré autant dans Yuki Watch 1 et 2. Franchement, je me souviens pas non plus. Dans Yuki Watch 2, si, on a eu une phase d'XP avant Lady Perpetua, ça par contre, je m'en souviens totalement. Mais j'avoue que pour les autres, je crois pas. Hein. Au début, comme ça, non. Merci beaucoup. J'étais à ça d'attraper Crictif avec mon filet. Je vous le donne, considérez ça comme un bonus pour m'avoir aidé. Oh. Ah, j'ai cru qu'il ait une donnée. Ouais, Crictif, moi aussi, là. Je me suis dit, c'est quoi ce filet insecte là? Oh, et... non. Ah oui, la collection, d'accord. Cool. Oh, un filet à steak, maintenant on peut attraper des insectes. Eh oh, Astico, je croyais qu'on essayait de construire une fusée. Ah oui, c'est vrai, monsieur Paul et les mille. L'appelle pas monsieur, ça va pas arranger son cas. On a besoin d'aide pour quelque chose. Ah, pour qu'on rejoigne lui aussi notre groupe. Hein. Exactement. C'est à peu près tout. Fais attention à ce que tu dis. Pas besoin de se couper les cheveux en quatre avec moi, je vais vous aider. Super. Tu veux dire que tu as toujours été dans ma maison? Oh, oui. Quoi? Ne t'arrache pas les cheveux, tiens, voici en guise de loyer. Attends, what? Voilà, maintenant on est de mèche! Oh non, qu'est-ce que tu as fait à mes cheveux? Une coupe moderne et chic, rien que pour toi! Ça te va trop bien! Je peux les faire redevenir comme avant, il y a eu un claquement en un clampement de cheveux si tu veux. Ouah, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs! Appelez-moi quand vous aurez besoin de moi, à plus! C'est pas genre la possibilité de se changer la coupe de cheveux? Non? Maintenant, on reste plus qu'à convaincre Savantar. Qui aurait cru que ce serait aussi facile de les convaincre? Ton horoscope n'avait peut-être pas tort finalement. Bon, allons voir Savantar. Allez, go. Tu penses que ce serait la fonctionnalité de couper les cheveux qu'on n'ait jamais fait attention? Franchement, il y aurait moyen, ouais. Oh non! Ma nouvelle coupe! Je trouve que ce style te va mieux, Fluffy. Au moins maintenant, je vois quelque chose. En fait, c'est un vieil arnaqueur, Paul Emile. Mais grave, notre coiffure, elle est juste restée le temps de une seconde, quoi. Bah oui, grave. C'est abusé. Du coup, allez, go au musée, construire la fusée. Attends, mais il nous faut pas que genre que ça comme yokai, et puis c'est bon, on va construire la fusée. Bah, il en manque un, je crois, non? Attends, Blizzaria, Dynamo... Bah, il nous reste plus que ça avant tard, mais après, c'est terminé. On les a tous avec nous. Ah bah oui, oui, je crois que oui, en fait. Bah ouais, non, franchement, on est... Ah, il y a Feulion aussi, qu'on a déjà récupéré. Tous ensemble. Dynamo au rapport. Je suis poilé pile poil à l'heure. Ok. C'est plein de poussière ici. Eh bien, bien, vous êtes tous venus. Je veux dire que je suis surpris. Vous n'êtes pas n'importe qui, je me trompe. Ouais, on n'est pas n'importe qui, nous. Une promesse, je me joins à vous. Dirigeons-nous vers le mont Sylvestre sans l'endroit. C'est l'endroit parfait pour lancer la fusée. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui. Gigadin, mont Sylvestre, nous voilà. Allons chercher le docteur Ellie. Docteur Ellie. Ravi de vous rencontrer, docteur Ellie. Qui es-tu? J'imagine qu'on pourrait dire que je suis l'ami d'un ami. Un ami à moi? Oui. Un ami qui vous a fait une promesse que vous devez. À qui vous avez fait une promesse que vous devez honorer. Hein? C'est une plaisanterie? Laisse-moi tranquille. Docteur Ellie. Ok, on s'en va, mais on vous attendra au sommet du mont Sylvestre. Et on espère que vous viendrez. Oh. On dirait que les autres yokai sont déjà là. Dépêchons-nous d'aller au sommet. Ok, on a encore un petit peu de trotte à faire, hein. Ouais, je crois qu'il y a le toboggan et tout, là. Ouais, exactement. Est-ce que... Non, bah non, j'allais dire quelque chose de... Non. Les yokai américains, ils les ont pas rajoutés à Grand Val. Alors là, je... Oh, remarque, c'est quoi ce truc là qui me suit? Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. C'est trop chelou.
Mais grave, en fait, je crois pas l'avoir. Merci tout le monde d'être venu. Très bien, c'est parti pour de la construction de fusée. Ah oui. Oh, il faut faire l'astro-kit, c'est vrai ça. Du coup, il faut appuyer sur le 1. Ajoute le propulseur. Ah, du coup, là, il faut... Oh, il faut appuyer sur les... Ah, mais en fait, il n'y a pas de okay, temps, ça va. Pour le moment, ça va. Ouais, ça va, franchement, la difficulté... Ça va, globalement. Du coup, là, on est en train de construire la fusée. Progression 25%, nickel. Suivant. Ensuite, chiffre numéro 2. Ajoute le réservoir. A, B, Y, X, O, O, baba. C'est bon, réservoir, c'est fait. Franchement, ça va. C'est marrant comment il porte ça à la main en mode... En mode tranquille, ça allez, passe. Hop, c'est bon, ça pèse 2 grammes. Mais grave, c'est pas lourd, c'est pas lourd. Ajoute du cylindre. Ok, R, R, L, L. Voilà, le cylindre, c'est fait. T'imagines ceux qui ont leur touche R, L qui marche plus, que je sais que ça existe sur certaines DS. Quand la DS est cassée, ça existe que la touche R, L ne marche plus. Ah oui, bah là, ils sont... Bah, je sais pas. Mais c'est fini. R, B, X, O, Y, gauche, A, droite. Ah ! Bon. Oh mince. Oh non, faut tout recommencer ! Ouais. Quand tu te trompes, hein. Oh là là. On faisait les malins, mais en fait... En fait, il y a un peu de difficulté. Du coup, je vais vérifier. Bah, R pour right, droite, L pour left, gauche. Ouais, mais il vaut mieux que... Vaut mieux vérifier, je te dis. Voilà, nickel. Et voilà. Du coup, on a une fusée en poche. T'as dit quoi? J'ai pas compris. J'ai compris le mot fusée, mais c'est tout. Wow. Je m'occupe des moteurs. Ok, moteur, c'est fait. Je vais charger toutes les batteries. Ok, les batteries, c'est fait. Je m'occupe du système de refroidissement. À moi, amortisseur capillaire. Ok. Et pour parfaire le tour, on aura besoin de mon cerveau de génie. Félicitations. On a réussi à construire une fusée. Et yeah, on va pouvoir aller dans l'espace. On dirait que le docteur Halley va pas venir. Oh non. Oh, essayons de l'appeler. Tu veux qu'on l'appelle comment? Oh là demande là. Au docteur Halley de venir. Attends. Ah bah là, il oh, est là. Ah bah il est là. Oui. Docteur Halley. Giga cool, vous êtes venu. Eh bien, je dois dire que vous avez piqué ma curiosité. C'est vous qui l'avez construite? Attendez un peu de vous la voir en action. Compte à rebours. C'était le moment touchant de l'histoire. J'en ai eu des frissons. Oh non. Oh non. Mais comment vous avez réussi à faire... Laissez-moi vous révéler mon secret. S'il vous plaît, mettez ça à votre poignet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et maintenant, pointez-la vers là-bas. Il va voir son ami... C'est trop. Docteur Halley, c'est moi, votre ami.
Il est censé se passer quelque chose. Non, c'est pas vrai. Vous ne voyez rien? Non, rien du tout. C'est quoi cette histoire? Si c'était tout, je vais y aller maintenant. Attendez! Je vais construire une fusée qui rentrera dans l'histoire. Il va reprendre ses recherches? Il a l'air d'avoir retrouvé toute sa passion. Je pourrais jurer qu'il m'a regardé dans les yeux. J'avais promis à un ami de finir de construire ma fusée. Merci, partenaire. Merci, merci, Docteur Haley. Vous pouvez pas me voir, mais je suis content que vous vous souveniez de moi. Il l'a vraiment pas vu ou il a fait semblant de pas le voir? Je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Pourquoi vous avez menti? Quoi? Vous pouvez voir où ça pionne, même sans la Yokai Watch, n'est-ce pas? Vous n'avez pas arrêté de dire vous depuis que vous êtes arrivé. Mais pourquoi Usapion voulait tellement vous revoir? Oui, c'est vrai que je peux tous vous voir. Et je vois à quel point mon petit bout a changé. Petit bout? Il n'est plus le petit bout que je connaissais. Il a bien grandi durant toutes ces années. Il en faisait exprès. En vérité, c'est moi qui avais besoin d'aide. Il est devenu pour moi comme une sorte de béquille. Je cherchais seulement quelqu'un qui me comprenne. Donc j'ai commencé à me confier à Petit Bout pour me soulager. Et maintenant il est grand et fort. Entouré de ses amis, je ne serai qu'un poids pour lui. Quoi? C'est pour ça que vous avez fait semblant de pas le voir? Mon Petit Bout doit tracer son propre chemin désormais. Et moi le mien. Docteur Haley. Quand j'aurai construit ma fusée, quand j'aurai réalisé mes rêves, alors je serai prêt à rencontrer celui que j'appelais Petit Bout et à lui dire merci. Oh, mais elle est gentille! Comme c'est touchant tout ça! Donc en fait, il avait bien fait semblant de pas le voir, mais parce qu'il veut qu'il continue son chemin tout seul. Mais c'est mignon. Sacrée journée! Je suis juste content que le docteur Haley aille bien. Je suis sûr que maintenant, il va construire la meilleure des fusées. Moi aussi! Tu rougis, t'es bizarre des fois! Fiche le camp! C'est toi la natte bizarre, je devrais te... Vador mode. Vador mode. Remercie de m'avoir aidé, Sophie. Ah, c'était un travail d'équipe, hein. Ça, c'est bien dit. Comme c'est mignon. Bon alors, c'est quoi la suite? Au nom du soleil et de la lune, nous vaincrons les émissaires du mal. L'amour et la justice triompheront. Laissez leur nana pour la paix! Nom d'un burger! J'en ai plein les bottes de tes histoires! Et Usapion n'a toujours rien remarqué. Laissez leur nana vont crever l'écran au prochain chapitre! T'es sérieuse? Motus et bouche cousue. Alors toi? Chapitre 3, détective de l'étrange, à l'écoute! J'ai hâte d'y être! Eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, évidemment. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de l'aventure. Ciao tout le monde. Voilà, salut. Bye bye.